Pierre et moi traquons des perles de plus en plus rares. Les oiseaux. Oui. Dans ce jardin public de Bad Nauheim, non loin de Francfort, on a encore la chance d'entendre et de voir de nombreux oiseaux. Mais d'une façon générale, leur population a tendance à décliner, et cela partout où les hommes vivent et déploient leurs activités. Et pour estimer précisément la situation, les scientifiques font appel à la bonne volonté des citoyens pour les aider à recenser les oiseaux. Dörte et moi allons aujourd'hui jouer aux ornithologues amateurs et leur prêter main forte. Et à la fin de l'émission, nous analyserons les données obtenues à l'aide d'une application mobile. Car figurez-vous que même les oiseaux des villes se raréfient. C'est le cas du moineau. À Berlin, il n'a pas besoin de chercher longtemps pour trouver le gîte et le couvert. Lui, c'est le moineau domestique. Si l'oiseau de jardin le plus répandu en Allemagne est à son aise dans la capitale, ce n'est pas le cas partout. Globalement, en Allemagne, la population du moineau a nettement diminué ces dernières décennies. Néanmoins, on observe deux évolutions distinctes qui coïncident avec l'ancienne ligne de séparation entre les deux Allemagnes. L'Association allemande pour la protection de la nature organise deux fois par an un comptage des oiseaux de jardin. Dans environ 5000 parcs et 45000 jardins, les bénévoles recensent les espèces présentes. Si en 2018, le moineau s'en sort plutôt bien à Berlin, avec 7 oiseaux par jardin en moyenne, à Francfort, on en compte tout juste 4 et à Munich, pas plus de 2. La bonne nouvelle, à l'ouest, le piaf reprend du terrain. À l'est, en revanche, sa population décline. En cause, la disparition progressive de son habitat urbain. La nature a besoin d'espaces comme celui-ci. Ils abritent beaucoup de fleurs et beaucoup d'insectes, dont les oiseaux se nourrissent. Mais à cause de la bétonisation effrénée, ces espaces se réduisent comme peau de chagrin. La nécessité d'utiliser l'espace disponible en ville au profit des habitations humaines se fait au détriment des habitats des oiseaux. Le moineau domestique se nourrit surtout de graines, d'insectes et d'autres invertébrés. Il consomme aussi nos déchets. Les jeunes spécimens, en revanche, ne survivent que grâce aux insectes. Or, ceux-ci sont de moins en moins nombreux. Et qu'en est-il du merle? Il se porte plutôt bien, mais lui aussi a des problèmes. En 2006, on comptait 4,1 spécimens par jardin. 10 ans plus tard, plus que 3,5. Beaucoup ont succombé à des virus ces dernières années. Sans compter que le merle, lui aussi, souffre d'une pénurie de nourriture. À cause de l'imperméabilisation des sols, il peine à trouver des vers, des escargots et des insectes. Et même là où la végétation subsiste, les insecticides sont souvent utilisés de façon excessive, y compris dans les espaces publics et les jardins privés. Autre problème, selon Lars Lachmann, de nombreux citadins aménagent leurs jardins sans tenir compte des oiseaux. Nous appelons ça la jardinerisation. Quand on entre dans ce genre de jardin, on a l'impression d'arriver dans l'espace d'exposition d'une jardinerie. Dans le pire des cas, on a une pelouse artificielle, du paillage de toutes les couleurs ou du gravier coloré. Et au lieu d'avoir des feuillus et des arbres à baies ou à fleurs, on a souvent des conifères, des thuyas ou des arbustes persistants comme le laurier cerise. Or, ces végétaux ne sont d'aucune utilité aux insectes et par conséquent n'offrent aucune nourriture aux oiseaux. La diversité végétale est nécessaire. Les rosiers en grand nombre ne sont pas l'idéal pour les insectes, à l'inverse des coins sauvages et des feuillus où les oiseaux peuvent nicher. L'hirondelle de fenêtre aussi a des problèmes pour se loger. L'espèce disparaît progressivement de l'espace urbain. En 10 ans, on est passé de 2,2 à 1,1 oiseau en moyenne par jardin. L'hirondelle de fenêtre niche sur des bâtiments. Pour construire son nid, elle fabrique un torchis à base de boue qu'elle récupère dans les flaques d'eau. Mais celle-ci se raréfie. Et si tant est que l'oiseau en dispose, il lui faut encore trouver un endroit pour son nid, ce qui n'est pas si facile. Les hirondelles de fenêtre s'installent de préférence sous les corniches, les balcons ou autres parties saillantes. Or, de nombreuses façades modernes ou rénovées n'en possèdent plus. Rénovation thermique oblige, les bâtiments sont devenus étanches et les façades lisses. La solution pour préserver l'avifaune?
davantage de place laissée à la nature, y compris dans les villes. C'est le cas au beau milieu de Berlin, où un immense espace a été laissé en jachère. Un paradis pour oiseaux qui reste malheureusement une exception. En France aussi, la situation est alarmante. Depuis 2003, les populations d'oiseaux à Paris sont observées à la loupe. Et en 2016, on a appris que les trois quarts des moineaux avaient disparu. Des mesures d'urgence s'imposent. Oui, et les ornithologues sont en première ligne dans ce combat. C'est votre cas, Stéphane Stubing. Vous nous avez donné rendez-vous dans ce parc. Alors, comment se porte la population des oiseaux? Sont-ils toujours aussi nombreux ou ont-ils tendance à disparaître? Comme les moineaux des villes, par exemple. Alors, pour les moineaux, il faut savoir qu'on les trouve davantage en bordure des parcs, à la lisière, car ils nichent sur les façades des bâtiments. Il y a 3 ans, j'ai commencé un suivi de ce jardin public. Et les bons jours, on peut y observer une 50aine d'espèces d'oiseaux, parmi lesquelles 35 à 40 nichent régulièrement. Pierre et moi allons donc partir à l'affût et vous aider à recenser les oiseaux. Quels sont vos conseils en la matière ? Pour trouver le maximum d'oiseaux, il faut passer au peigne fin les divers habitats dans une zone donnée. Ce jardin abrite d'une part un ancien peuplement forestier avec beaucoup de broussailles et d'autre part une vaste étendue d'eau avec des oies et des canards. En même temps, il faudra aussi penser à regarder en l'air et voir quels oiseaux survolent la zone d'observation. On se lance ? C'est parti. Et il part par là et moi par là. Où est-ce que je dois regarder? Pour le moment, je ne vois que des pigeons. Je peux aller à l'intérieur? Bien sûr. Ou c'est contre-productif? Je suis entourée d'arbres et j'aperçois tout un tas de petits oiseaux. J'ai bien envie de rester là. Là, il y en a un petit derrière. Je vais aller un peu plus loin, ici je trouve rien. Je crois que c'était une grive. Ah, là, je crois que c'est un rouge-gorge. Mais où est-il passé? Non. Adieu, petit rouge-gorge. Je dirais que c'est une sittelle torche-peau. Tout à fait, une sittelle torche-peau. C'est le seul oiseau en Europe qui est capable de descendre le long d'un arbre, la tête en bas. Dörte, qu'est-ce que ça donne? J'entends beaucoup d'oiseaux différents, mais je n'en vois pratiquement aucun. C'est un vrai problème quand on débute. On entend de nombreuses espèces. Là, on distingue un grimpeau des jardins et une sittelle torche-peau vient de passer au-dessus de nous. Il y en a un autre là. C'est mon rouge-gorge. Oui. C'en est bien un. Oui, et il vient de s'envoler. Oh non! Il est là-haut, sur la branche. Ah oui. C'est dingue, vous avez vraiment un œil de lynx. Il vient de s'envoler. Il est reparti. Il en faut de la patience quand on est ornithologue. Regardez ce que j'ai trouvé. Une plume de pigeon, non? Magnifique. Oui, c'est une rémiche de pigeon ramier. Formidable. J'ai compté, j'ai pris 10 oiseaux. Et toi? Je n'ai pas compté. Ah non? Non. Et lesquels as-tu trouvé? Quelques pigeons. Très bien. La sittelle torche-peau de tout à l'heure. Ah, oh, c'est beau. Oh, un rouge-gorge. Oui. Tu as pu avoir le rouge-gorge que j'ai fait fuir. Il est joli. Il a une poitrine orange vif. Ça, c'est une mésange charbonnière. Oui, avec son ventre jaune. Elle est mignonne. On en voit beaucoup dans les jardins. Oui, ses effectifs se portent bien. Et voici un des nombreux merles. En pleine action. Et vous, combien d'oiseaux avez-vous recensé? Si je regarde ma liste, que j'ai cochée au fur et à mesure, et si je prends en compte les oiseaux que j'ai entendus et ceux qui sont passés au-dessus de ma tête, j'en suis à 30 espèces. Un peu plus que nous, quoi. Oui, mais il faut bien que mes longues années d'expérience servent à quelque chose. Cet oiseau préfère la campagne à la ville.
le vanneau huppé. Autrefois, on apercevait souvent au printemps ces parades nuptiales acrobatiques. Alors qu'en France, on peut encore le chasser, en Allemagne, l'oiseau est protégé et considéré comme gravement menacé. Stefan Stübing fait partie de ceux qui ont décidé, outre-Rhin, de s'engager pour l'espèce. L'ornithologue veut nous montrer les causes du déclin de l'espèce ainsi que les conditions dont le vanneau huppé aurait besoin pour survivre. Nous parcourons avec lui la Vétéravie dans la Hesse. Ici, comme dans le reste du pays, l'agriculture industrielle prédomine. Il y a 40 ans, la région ressemblait encore à cette petite exploitation agricole. Les modestes parcelles alternent avec des vergers et des pâturages. Les animaux sont libres de brouter l'herbe. Les sabots des bovins fissurent la terre, créant de petites accumulations d'eau. Des exploitations de petite taille comme celle-ci, avec des chevaux, des bovins, des zones de pâturage plantées de haies et de bosquets, et traversées par un cours d'eau, c'est très rare aujourd'hui. Pour le vanneau huppé, ces paysages ont longtemps été une alternative à son habitat d'origine, les plaines alluviales, tourbières et autres zones humides. Or, la plupart d'entre elles ont depuis longtemps été asséchées et converties en terres agricoles. Stefan Stübing nous montre à quel point les champs non ou peu traités aux engrais chimiques regorgent de nourriture pour les oiseaux. Coléoptères, araignées, petits escargots et sauterelles sont vitaux pour les poussins du vanneau huppé. Ceux-ci sont nidifuges. Aussitôt éclos, ils quittent le nid et doivent se nourrir seuls. C'est pourquoi la femelle pond de préférence ses œufs là où la végétation est rare ou clairsemée. Les petits pourront ainsi plus facilement arpenter le sol et trouver de quoi manger. Mais ces habitats ont pratiquement disparu. Et voici à quoi ressemblent aujourd'hui les paysages agricoles. Un coup d'œil suffit pour comprendre le problème des oiseaux. Sur ce type de surface, les œufs sont aussitôt découverts par les renards. Les prédateurs ont la partie facile. Sur le chemin de terre, il n'y a rien à manger. Et le champ de céréales d'hiver a l'air beau. Mais quand on y regarde de près, tout est traité aux pesticides. Tout est mort biologiquement. Il n'y a aucune autre plante, et donc aucun insecte, aucune nourriture pour les animaux, qui sont condamnés à mourir de faim. Protéger les vanneaux huppés est complexe. Car des îlots de nature préservée ne suffisent pas aux oiseaux, qui doivent retrouver une partie de leur habitat d'origine. La solution ? Préserver les zones humides, inonder de nouveau les prairies alluviales, remettre en eau les marais asséchés et promouvoir une agriculture la plus respectueuse possible de la nature. Pourtant, même les habitats réunissant des conditions idéales sont actuellement peu utilisés par l'oiseau. C'est le cas du secteur alluvial de Vétéravie, constitué de petites zones humides morcelées. L'objectif est d'empêcher la disparition du vanneau huppé de la Hesse. La population de ce site fait le pont entre les effectifs du nord-est de l'Allemagne et ceux peu fournis qui subsistent dans le sud. Sans ces habitats, la Hesse perdrait le vanneau huppé en tant qu'espèce nicheuse. Dans ces petites zones à découvert, les prédateurs sont vite alertés. Actuellement, seule une clôture empêche renards, martres et ratons laveurs de dévorer les rares œufs. Une solution loin d'être idéale pour une réserve naturelle, mais la seule possible pour le moment. Redonner de la place à la nature serait bénéfique pour de nombreuses autres espèces menacées et rendrait superflues des mesures ponctuelles coûteuses en argent et en main-d'œuvre. Mais d'ici là, les défenseurs du vanneau huppé n'ont d'autre choix que d'adopter des solutions d'urgence. Pourquoi vous engagez pour les oiseaux avec votre association ? Difficile de répondre en quelques mots. Disons que c'est avant tout parce que les oiseaux me fascinent. Ils peuvent voler, ils sont libres, ils sont présents partout, en Afrique du Sud, en Amérique du Nord, en Australie, la nuit, le jour. Ils symbolisent la liberté. D'autre part, l'ornithologie réserve de nombreuses découvertes. Où que je sois, en vacances ou en déplacement professionnel, je fais le plein de trouvailles. Observer les oiseaux est passionnant. Et quand on les étudie, on a envie de les aider. Parce que, nous en avons déjà parlé, les effectifs de nombreuses espèces sont très mal en point. Et vous allez ajouter à votre liste les deux drôles d'oiseaux devant vous ? Absolument. Alors, on reprend notre recensement ? Oui, nous sommes maintenant au bord de l'étang et nous allons compter les oiseaux aquatiques. Nous observerons aussi régulièrement le ciel pour voir si des rapaces, des hirondelles ou des martinets noirs
passent au-dessus de nous. Ça te va, Dörte, si cette fois c'est moi qui guette? Je crois que... En fait, j'aimerais bien essayer. D'accord. Cette fois, c'est moi qui vais à la chasse. Très bien. À plus. Où dois-je regarder en premier? Sur un plan d'eau, il faut toujours commencer par le centre. Regardez là-devant. À la surface. Oui, il y a quelques oies qui nagent. Des canards, non? En termes de taille, on dirait un canard, mais c'est une oie, une ouette d'Égypte. Ok. Mais il y a encore plus intéressant derrière sur l'île. Ah oui? Les trois oiseaux clairs. Très grands et aux longues pattes. Ce sont des hérons cendrés. Des hérons cendrés. Et regardez au-dessus de l'île. Le petit oiseau qui part sur la gauche et qui ressemble à une hirondelle, mais avec des ailes plus longues et fines. Tout là-bas? Assez loin, oui. C'est un martinet noir. Ça va trop vite, beaucoup trop vite. Eh bien, j'espère que le joli cours d'eau de ce jardin public attire des oiseaux particuliers. Ah! Monsieur Stubing, je suis trop lente pour les oiseaux, je les ai tous ratés. Est-ce que mon collègue Pierre se doutait de quelque chose et a choisi volontairement de rester sur le pont? Il est mieux positionné que moi, non? Je ne dirais pas ça. Si on tend l'oreille, on peut entendre en arrière-fond une fauvette à tête noire. C'est une espèce que l'on n'avait pas encore recensée. On entend aussi un pouillot véloce. Ça a quel chant, un pouillot véloce? Son surnom, c'est compteur d'écu. Selon vous, est-ce que ce ruisseau ou ce jardin public en général sont sains en termes de biodiversité? Est-ce qu'on y trouve tout ce qui devrait s'y trouver? Oui, ce qui est loin d'être le cas ailleurs. La situation dans les zones rurales est catastrophique, ainsi que dans beaucoup d'autres régions. En revanche, ce jardin et cette rivière, l'Ousa, sont encore propres, clairs et riches en nourriture. Sur les bords de l'étang, toutes les espèces sont là, dans l'ancien peuplement forestier aussi. Une cinquantaine d'espèces sont présentes. Il ne peut pas y en avoir plus étant donné la superficie. En Allemagne, comme en France, les campagnes sont devenues silencieuses. Une autre conséquence du déclin des oiseaux. Près de Heidesheim am Rhein, Klaus Diehl produit, sur 270 hectares, des céréales et des fruits, comme quatre générations d'agriculteurs avant lui. Longtemps, son objectif premier a été d'améliorer ses récoltes, pas de protéger la nature. Jusqu'à ce qu'il s'engage dans un projet de recherche visant à promouvoir la protection des oiseaux dans l'agriculture conventionnelle. Ce projet vise à travailler en synergie pour concevoir collectivement des mesures pour et avec la nature qui profiteront aux oiseaux comme aux insectes. L'agriculteur a remplacé 4200 m2 de culture de blé par des fleurs sauvages qui attirent des insectes jusqu'en automne. De quoi nourrir les poussins affamés des oiseaux des champs. Klaus Diehl est l'un des 10 agriculteurs participant au projet. Son exploitation compte parmi les plus grandes de la région. Aujourd'hui, l'ornithologue Nathalie Meyer et le conseiller de projet Dieter Feltner ont fait le déplacement. Ensemble, ils expérimentent diverses mesures de protection des oiseaux. L'agriculteur doit consacrer 5% de ses terres au projet de recherche. Les deux experts viennent examiner l'avancement du projet. En plus de la prairie fleurie, Klaus Diehl a aménagé 16 fenêtres à alouettes des champs de 4 mètres sur 5 dans ses champs de blé d'hiver. Pour les oiseaux qui souhaitent nicher au sol, c'est très attirant vu du ciel, parce qu'ils disposent à l'intérieur d'une immense culture de blé, de petites surfaces où ils peuvent pondre leurs œufs, et aussi chercher de la nourriture. Par ailleurs, nous faisons pousser sur ces îlots des herbes sauvages, avec lesquelles les oiseaux peuvent construire leur nid. Dans les champs de blé d'hiver traditionnels, la végétation est trop dense et trop haute. Cela devient une sorte de mur vert infranchissable pour l'oiseau. Tout le contraire d'une végétation clairsemée. D'autres oiseaux, comme le vanneau huppé, ont besoin d'encore plus d'espace. Ce champ reste partiellement en jachère après avoir été entièrement inondé au printemps. L'équipe a décidé de laisser environ 2,5 hectares aux oiseaux des champs. Paris gagnant. Il y a quelques jours, l'ornithologue y a découvert le premier nid de vanneau huppé.
Le vanneau huppé a niché au sein d'une empreinte de pas. Généralement, il cherche quelques tiges, en tapisse un trou et aménage ainsi une petite dépression où il pond ses œufs. Plus de place pour les oiseaux, c'est aussi la promesse de l'agriculture dite extensive. Ici, Klaus Dill n'a semé du blé d'hiver qu'un rang sur deux. Caille, perdrix et bru emproyé sont censés s'y installer. Les engrais chimiques et produits phytosanitaires sont bannis. Une approche qui laisse l'agriculteur plutôt sceptique. Je pense qu'il sera impossible d'avoir une récolte. D'ici à la moisson, le champ sera tellement envahi par les mauvaises herbes que l'on ne pourra plus séparer les grains de blé des mauvaises graines. Les pertes de rendement sont toutefois indemnisées. Pour la parcelle en agriculture extensive, le montant ne sera connu qu'après la moisson. Pour les fenêtres à alouettes, Klaus Dill perçoit 184 euros. Pour la jachère fleurie, il reçoit l'équivalent du bénéfice net qu'il aurait tiré de la vente du blé, soit 360 euros. Nathalie Meyer vérifie si ces mesures font effectivement revenir les oiseaux. L'ornithologue se rend tous les 15 jours dans les champs de Klaus Dill pour les compter et les cartographier. Le déclin des oiseaux est-il enrayé? Nathalie Meyer identifie les oiseaux à l'oreille. Au-dessus de nous, on entend très bien chanter des alouettes des champs. Les mâles chantent en vol. Ils s'élèvent du sol et montent à une hauteur relativement élevée, d'où ils émettent leur chant. Ils font cela pour marquer leur territoire, mais également au début de la saison, pour attirer les femelles. Souvent, on ne voit pas du tout les oiseaux parce qu'ils sont très hauts dans le ciel. Un an après le début du projet, l'ornithologue a recensé 96 espèces d'oiseaux, soit 4 de plus que l'année précédente. Elle a compté 5 territoires de vanneaux huppés dans les îlots champêtres et 2 de petits gravelots. Plusieurs alouettes des champs sont de retour, ainsi que quelques bergeronnettes printanières. Le projet doit durer 10 ans et d'autres espèces devraient encore revenir. Reste à savoir si les agriculteurs conventionnels s'engageront sur le long terme pour la protection des oiseaux. Certaines choses ne me plaisent pas trop, notamment la culture de céréales extensives. Ça fait un peu bizarre quand on voit le résultat. Mais nous allons continuer encore quelques années et nous verrons s'il y a du mieux. Si ce n'est pas le cas, alors c'est que ce programme ne convient pas à notre exploitation ou à la région. Klaus Dill reste néanmoins ouvert au projet, tant qu'il est indemnisé. Le programme sera régulièrement évalué. Si les mesures de protection des oiseaux s'avèrent efficaces, l'État envisage de financer à son tour des programmes comme celui-ci. Tu en as photographié combien ? 12. 12 ? Oui. Super ! Plus le Milan Royal que j'ai raté. Moi, j'en ai photographié 8 et vu 12. Donc tu m'as battu. Mais monsieur Stübing, mon petit doigt me dit que vous êtes le grand vainqueur de cette compétition. Je me trompe ? Vous avez coché tous les oiseaux ? Oui, presque. La liste papier, c'est ce qu'il y a de plus pratique pour ne rien oublier. Et j'arrive à 48 espèces d'oiseaux recensées aujourd'hui dans ce jardin. Que vous avez vu ? Vu et entendu. Et celles que vous avez comptées en font partie. Eh bien, nous allons maintenant poursuivre notre contribution à l'ornithologie en saisissant nos données. Oui, c'est ça. Dans l'appli. Alors, comment fait-on ? C'est l'appli Naturalist. C'est ça, Naturalist. Nous allons commencer, disons, par les oiseaux aquatiques. On pointe sur une carte la localisation des observations. On peut dire, par exemple, sur cette île, il y avait un héron cendré. Cette application permet-elle de lutter contre le déclin des espèces ? Ou est-ce plutôt un moyen d'avoir un aperçu d'ensemble pour tirer la sonnette d'alarme? Oui, c'est plutôt ça l'objectif. Cela n'aide pas directement à lutter contre le déclin des espèces. Mais cela nous aide à connaître leurs aires de répartition ainsi que leur évolution au sein de divers milieux. Peut-être aussi de différentes régions du pays, voire de différents pays de l'Union européenne. Et cela peut permettre ensuite de développer des mesures de protection ciblée. Que peut-on faire d'autre pour lutter contre le déclin des espèces?
À petite échelle, chacun possédant un balcon ou un jardin peut agir. Il suffit de semer dans une jardinière ou un massif des mélanges spéciaux de fleurs composés de variétés très florifères et conçues pour attirer les insectes. Cela permet aux insectes de se maintenir et ainsi aux oiseaux de revenir. C'est marrant, les oies se sont rapprochées et elles opinent du chef. Oui, comme pour dire qu'elles approuvent. Nous sommes d'accord avec vous. Oh, regarde celle-là. Oh la vache. Qu'est-ce qu'elle voulait nous dire? Je pense qu'il est temps de filer. Je crois aussi. Alors qu'on ne lui voulait que du bien. Ben oui, on est de votre côté. À la prochaine et restez curieux. D'ici là. Au revoir.